Allez, bonjour à tous les amis, on se retrouve dans une nouvelle vidéo sur Farming Simulator 19. Donc on se retrouve juste dans une petite vidéo. Donc là pour l'instant c'est juste une mission que je suis en train de faire, donc de récolte de l'avoine. Donc là on verra exactement. Et après je pense qu'on finira par empiler les bottes de foin dont j'ai ramassé. J'avais fait une vidéo dessus. Alors je sais pas, je vais essayer de vous la mettre, et sinon je vais être obligé de la couper et puis de la refaire, parce que ça met extrêmement de temps pour la mettre en ligne. Donc je vais voir ça, mais logiquement ça va aller un petit peu plus vite parce que j'ai pas pu la mettre en ligne. Alors pour une bonne raison, c'est que j'avais des problèmes de connexion. Depuis, on a contacté notre fournisseur internet, nous avait dit que c'était pas normal et qu'il faisait le nécessaire d'être réparé. Et finalement, du jour au lendemain, la connexion était meilleure. Donc ça coupait, ça revenait, etc. Mais là, depuis, ça marche mieux. Donc, je vais essayer de la mettre en ligne. Donc, pas grave si vraiment la vidéo va peut-être sortir avant celle-là. Je ne sais pas. Je vais voir comment je vais dégoupiller ça. Mais logiquement, il y aura celle-là qui va être sortir, qui va sortir un peu avant. Donc, de toute façon, c'est pas si bien grave que ça, hein. On verra. Donc de toute façon mon programme, on va faire ça. De toute façon je pense pas que je vais en avoir pour longtemps, hein. Ça va quand même assez vite. Donc je remercie des nouveaux abonnés sur ma page. Ça fait extrêmement plaisir. Donc je regarderai pour y mettre pour mettre le nom en description de la vidéo, ou peut-être juste le montage. Je vais voir comment je vais y mettre. Mais sinon, merci à lui, hein, surtout. Donc, qui est... tac, je vais vous le dire. Tac, il est où? Qui est Franek Game. Alors, merci à toi, hein, si des fois tu regardes la vidéo. On a atteint les 170 abonnés. Alors j'espère monter un petit peu plus haut. Et pourquoi pas essayer de franchir les 200, hein. Pourquoi pas, ça serait quand même pas mal. Alors j'essaierai de créer une partie multijoueur spéciale abonné, hein, on va dire. Mais bien sûr, dedans il y aura sûrement le DLC Anderson dedans. Pourquoi pas faire au pire un big ensilage avec tout le monde. Donc je vais voir, est-ce que je le ferai en live ou juste une vidéo comme ça entre nous, mais qui ne sera peut-être pas filmée, ou on va dire quelques minutes, juste pour commencer. Ça peut être marrant. Donc il y aura peut-être pas autant de personnes, mais je vais voir qui c'est qui va être avec moi. Je pense que je ferai peut-être un, ou voir peut-être plusieurs vidéos. Je vais peut-être prendre, par exemple, tirer au sort les personnages. Donc si par exemple vous êtes 10 personnes qui veulent participer, si je peux mettre 10 personnes dans la partie multijoueur, je me prendrai les 10 directement. Et si malheureusement je peux pas prendre les 10, soit que je ferai plusieurs vidéos, c'est-à-dire que je tirerai au sort les personnes qui auront déjà joué. Et dans les personnes qui auront déjà joué, il y en a qui vont avoir l'honneur de jouer deux fois sur la même carte, etc. On verra.
On dit on n'y est pas encore. Donc comme si je sais pas si vous l'avez vu sur ma page Facebook, j'ai annoncé que j'allais bientôt avoir un fond vert, d'où le fond vert qui dit vidéo avec la webcam. Donc ça serait quand même pas mal. Donc déjà il va falloir que je regarde pour niveau éclairage et tout, parce que bon j'ai peut-être pas non plus un bon éclairage pour faire le fond vert. Mais ça on va voir si vraiment je vois que ça pourrait marcher, ça serait nickel. Et en plus j'ai d'autres toiles qui vont avec. Donc moi les autres toiles ça peut me servir pour moi plus tard pour autre chose. Donc hors farming. Sinon, les vidéos vont toujours reprendre. Toute façon, il n'y a pas de souci. De toute façon, pour l'instant, j'ai toujours resté sur la map All Stream. Bon, je vais pas changer. J'ai pas envie de changer de map. Elle me plaît bien. Et est-ce qu'il y en a qui auraient un nom d'une map où il y a deux fermes? Donc, deux fermes déjà incluses comme Belgique profonde, par exemple. Mais le problème, c'est que moi, j'ai envie de jouer avec une personne à Belgique profonde. Mais dès que, en fait, en gros, je l'invite, ou lui, il s'invite sur ma partie, ben, ça quitte son jeu. Alors, est-ce qu'il y en a qui auraient une idée pour ça? Je vais me poser là. Ce que je vais faire, je vais prendre ça. Ouais, j'ai encore le GPS dessus. Ça serait bien s'il y en a qui auraient le GPS comme ça, mais une nouvelle version du GPS. Si le machin il revient tout le temps comme ça blanc là, c'est un peu pénible. Bon, ça me gêne pas plus que ça, mais c'est un peu pénible à chaque fois, on est obligé de faire tout le tour CTRL S pour y enlever, donc. J'ai quelques lags. Un peu de temps, je vais pouvoir mettre du lisier. Ah, mais j'ai de l'ensilage dedans que j'ai pas emmené. Ah merde, ça par contre c'est couillon. Eh ben on va aller emmener ça là-bas. C'est pas grave. Et puis ouais. On va emmener ça vite fait au biogaz. Hop, je vais juste remettre la carte. Comme ça après on va retourner à la moissonneuse. Je viderai la moissonneuse plus tard au pire parce que là je suis dans plusieurs. Hop, arrête-toi. J'ai quelques lags là. On va passer là. Alors, du coup, j'ai dû acheter une partie, mais là, je vais voir ce qu'en fait, les trois champs là, ils m'intéresseraient. Parce que dans celui petit là, je pourrais essayer de mettre le du peuplier. Pourquoi pas en faire quelques bottes dedans. Et puis faire avec des bottes rondes. Bien sûr, tester le DLC en même temps Anderson. Bon, je l'ai pas testé à fond, mais c'est ce que j'aurais voulu faire. Écoutez, ce qu'on va faire, moi je vais juste vous laisser là. Je vais juste faire au pire une petite accélérée le temps que je vais vider.
Bah, je t'attends que j'arrive à l'entrée du biogaz et on se retrouve. Bah, on se retrouve juste à l'entrée du biogaz. Allez, à tout de suite. Allez, hop, on se retrouve du coup pour aller vider ça au biogaz. Alors du coup, comme j'ai dit pour les 300, je vais peut-être me faire un crédit quand même d'un maximal pour pouvoir acheter les 300 et puis peut-être pour acheter de nouveaux animaux quand même pour que je puisse au moins faire du mouton ou autre. Tac. Ah, j'en avais plus quoi. Voilà, donc ça c'est fait. Alors, est-ce qu'on peut vendre de l'ensilage au biogaz? Parce que j'ai l'impression qu'on ne peut pas en fait le vendre. Alors en plus, après, c'est après je me suis amusé à faire le champ 34 en mission. Il est intéressant de le faire, donc il est un peu long, donc je vous conseille au pire si vraiment vous voyez que vous n'avez pas le tracteur adéquat, soit vous prenez le vôtre, mais par contre louer le matériel. Et est-ce qu'il y a possibilité que, par exemple, voilà, j'ai envie de faire une mission. Ah non, c'est pas là-dedans. Voilà, j'ai envie de faire une mission. Non, pas celle-là, par exemple, celle-là. Voilà, par exemple. Là, on voit que les trois. Est-ce qu'il y a possibilité de voir les quatre autres outils nécessaires ou pas lorsqu'on fait des missions ou pas, si c'est possible de voir les quatre autres outils. De toute façon, ce que je vais faire, je vais juste emmener ça à la moissonneuse pour qu'elle remplisse la remorque. Là, du coup, j'ai deux trucs. Alors, je ne sais pas c'était quoi. J'ai fait deux missions, mais je m'en rappelle plus. J'espère que c'est pas un truc chiant. En plus, j'ai le chanteuse aussi qui a poussé, mais en plus, c'est une mission. Donc, je vais voir pour essayer de faire quelques missions quand même dans certains champs pour essayer de de refaire d'arrière. Mais si je fais dans ces champs-là, je pourrais pas réutiliser les champs. J'aimerais bien qu'on puisse au moins acheter qu'un seul champ, mais pas tout, quoi. Mettre le clignotant. Tac. Allez, c'est parti. On va rejoindre la zone là-haut. On va passer par le petit chemin de terre, du coup. Ce qui est vraiment pratique. Après, j'ai peut-être voir pour faire mettre des betteraves au pire dans un champ. Ouais, des betteraves. Qu'on puisse essayer d'en récolter puis essayer de les mettre en palox. Ça peut être marrant d'y mettre en palox comme ça en vidéo. Donc je sais pas combien de palox qu'on va faire, mais après d'aller les vendre. Donc déjà, on va se mettre comme ça. Voilà. De l'avoine. Dites-moi en commentaire qui en plante réellement chez eux. Si vous êtes fils ou agriculteur même, si vous êtes en stagiaire, en apprenti ou je ne sais pas, ou même un voisin qui est agriculteur, hein, un voisin vous, un fermier de votre coin, qui en sème et dans quelle région exactement? Parce que moi moi, en Bourgogne, là, on va dire même en Saône-et-Loire, j'en vois pas. Alors après, je vais pas dire que j'en vois pas beaucoup, mais je vois personne en mettre vers chez moi, donc c'est pour ça.
Alors, là, on va faire ça. On va les récupérer pour les mettre sur le reste du tas. Hop, c'est parti. Voilà, comme ça, je pourrais. Attends, sauf que je sème. Là, faut que je sème à peu près trois champs différents. Il faut que je sème. Alors, déjà, il me faut du blé. Il faut soit un ou deux champs en blé pour que je puisse avoir de la paille. Surtout. Parce que là, si j'ai pas de paille, je pourrais pas leur faire de mélange. Au moins que j'en achèterais, mais ça coûte en fait. Ça coûte un peu beaucoup. Puis la paille, je sais pas où la foutre en fait, c'est ça le problème. Là, ça va, c'était rapide. Hop, c'est du rapide maintenant. Sais pas, j'ai peut-être bien mis les fous comme ça dedans. Hop. Voilà. Donc ça c'est fait. Donc du coup on va retourner à lui. Alors lui. Non, c'était lui. Lui, il faut que j'aille le livrer au point de vente 2. Point de 22, point de 22, il se trouve où? Ah, bah c'est le premier truc, donc c'est bon, on n'est pas loin. Oh, bah c'est nickel. Je vais peut-être passer de l'autre côté, moi. Hop. On va passer par là. Même le champ 25 il était pas mal, mais il faut voir le prix parce que. Après, si qu'il faut, je pourrais peut-être me. Ah, c'est du colza, donc non, ça m'intéresserait pas. Ou même acheter un champ déjà qui est en paille. Ou sinon, je le ferai moi-même et puis je regarderai peut-être pour accélérer le temps. Le champ 22, ouais, il était pas mal celui-là. L'acheter et puis comme ça, je pourrais peut-être faire de la paille. Et reste sur la route, toi. Putain, j'ai des petits lacs comme ça. Ça, en fait, ça vient de la map. J'ai l'impression qu'elle a un truc sur la map. Bon, après, j'ai pas refait, j'ai pas recommencé une partie dessus, hein. Donc, ça peut venir de ça aussi.
Et j'ai aussi labouré un champ d'herbe, d'où j'ai déjà semé en herbe. Donc oui, il faut vraiment être con de faire ça, mais c'était pour tester un truc en fait. Je voulais tester si vraiment on aura plus de rendement avec de l'herbe qu'on a mis de lait chaud et puis qu'après qu'on l'a. Donc là, il va même falloir ici que je le... Merde, c'était derrière. Ça a un sens interdit, mais c'est pas grave. Tac. Ah, vite sur le côté si t'as envie. Voilà. Comme ça, le champ là est terminé. En total, bah bien sûr, moins 590. Pourquoi? Parce que culture manquante. Mais non. J'ai pas oublié culture. J'ai oublié la culture. Bah, ça fait cher. Là, c'était quoi? Le champ 19. Ah ouais, le champ 19 est juste à côté, quoi. Comme ça, je vais le faire en off. De toute façon. Là, je vais le faire en off, le champ 19. Je vais me foutre là. Tac, voilà, mettre les warnings. On s'en est tranquille. Les gyrophares, de toute façon, ils tournaient pas. On va peut-être le mettre quand même. Voilà. Du coup, dans les animaux. Ah, du coup, faut que j'aille vous faire voir le. Voyez, donc l'herbe, là, je suis vraiment à fond. En foin et en silage, pareil, on va dire. Et puis après, j'ai en paille, ça diminue. Et puis en propreté, c'est pareil. Donc il va falloir que je regarde. Et j'allais vous faire voir. Tac à tac, le champ que j'ai labouré. Donc de toute façon, il se trouve derrière. Bon, on est plus derrière, donc en plus l'entrée était par là. Donc on le voit de là, hein. C'est la petite partie en terre là, qui était là, en fait c'était un champ d'herbe. Donc je l'ai labouré. Ah. Je l'ai labouré, il y a des endroits où c'est qu'on peut pas... il veut pas s'enlever, alors je comprends pas. Voilà, il y a des endroits où je l'ai labouré. Et j'ai passé un coup de semoir nettement dessus, donc qui est nettement de l'herbe. Alors... Franchement, je vais voir ce que ça va donner parce que voilà, je suis en 100% fertilisé. Donc j'espère avoir le maximum de choses. Et puis il y en a que j'ai mis de la chaux. Il y en a que j'ai mis de la chaux, donc pour voir qu'est-ce que ça pourrait faire. Là c'est le 18. Il est ouf, c'est celui qui est là-bas en fait. Voilà, c'est bien ce qui me semblait. C'est celui qui se trouve de l'autre côté. Tac. C'est le champ qui est ici. Voilà. Ah mais lâche. Ah mais la chaux elle disparaît au fur et à mesure ou c'est... Elle doit être là pour y avoir de la chaux mais...
Donc hop. Donc là, je vais voir en fait si je vais pas me le faire moi-même. Parce que du coup, ce qu'on voulait regarder tout à l'heure, le champ 25. Non, le champ 22, il a combien? 178 000. Oui, il est quand même. En plus, il n'a pas été fait. Mais de toute façon, je pense que j'ai déjà commencé moi. Pourquoi il est comme ça, lui? Je vais mettre déjà tout ce qui est blé et puis tout dans le champ qu'il faut. Et là, par contre, j'ai pas beaucoup de. Attention, on va mettre du blé dans un champ et puis on verra. Donc moi, écoutez les amis, je vais faire ce champ-là, moi. Comme ça, lui, il va chauffer en attendant. Et on se retrouvera dans une prochaine vidéo. Sur Farming Simulator 19, et je vous dis à la prochaine, les amis, pour une nouvelle vidéo. Donc, quand je ne sais pas, je vais bien voir. Et moi, je vous dis à plus, les amis, et n'oubliez pas, abonnez-vous, partagez ma vidéo, mettez des commentaires si vous voulez, suivez-moi sur ma page Facebook. Sur Facebook, et voilà. Et moi, je vous dis à la prochaine, les amis, allez. Ciao tout le monde, bye bye. To see you crashing up the sky, falling one by one.